Le bonheur et rouge là sont des mots qui ont une signification qui est verbale, qui l'a pour tout le peuple net. Drapeau noir et rouge là signifie un pile bagaille pour nous. Nous ne pouvons pas prendre un jovenel encore sous pouvoir. Insécurité augmentée pour tout le monde. C'est ça pour nous manger ça. Faut que ça nous va travailler au pays. Faut que ça je n'ai pas tiré ça va être. Nous avons perdu un policier qui est affecté dans Simo. C'est policier du Rosier Jouron. Policier agent 2, 22e promotion. Et dans la zone centre-ville, pour le moment, il y a une enquête qui ouvre au niveau de la police pour nous connaître exactement dans quelles circonstances nous avons perdu le policier ça. Bilan. Manifestation 18 novembre 2018 là. Gagné 3 morts par balle que nous recensés. Youn à Pétionville qui est le Franck Joseph et sous instruction commandant chef de la police là, il demandé justement pour enquête l'ouvrir sur jeune garçon ça qui a perdu la ville Pétionville zone l'église Saint-Pierre. Plusieurs informations fait quoi que c'est un agent de sécurité qui utilise les amener. Gagné dit tout balle là sorti en côté que pas qu'à identifier. Et un reporter journaliste Radio Kiskeya qui fait qu'on est que il était ouais que la police t'a tiré. Étant responsable, commandant chef là passé instruction pour ouvrir enquête pour nous connaître exactement dans quelles circonstances que jeune garçon ça, Franck Joseph, perdu la ville. Dans Tigouave, gagné André Brichette, les continents qui est Alex, qui est tué par balle par des individus et qui en cavale. Au Cap-Haïtien, gagné un autre tour qui perdu la ville. Et information justement qui vient joindre nous, c'est un agent de sécurité qui a assuré la sécurité dans une propre essence. Qui pris de panique, probablement l'aile ouais, mon avis nous et puis l'y tirer côté que jeune garçon s'est perdu la ville. Gain 5 moun qui prend balle que nous recensés, 3 véhicules PNH endommagés, un véhicule incendié PNH, un véhicule privé incendié. Gain 7 policiers qui blessés par jet de pierre, un policier par balle. Il y a 35 arrestations qui faites en total. Bilan ça que me présenter à la presse là, son bilan qui est en main sous 9 départements que nous balayons en total. Parallèlement, nous recensons d'autres cas pendant la journée mais qui pas gagné pour à activité à bilan que nous présenter sous manifestation hier là. Hier matin dans Nazon zone Caravel, gagné un jeune garçon qui mourit par balle, par un inconnu qui en cavale. Échange de tir avec la police au niveau Grand Ravine. Un groupe moun tenté entrer dans le commissariat, te gen présence SWAT, et yon empêché d'entrer. Et ça a provoqué justement une situation de tension, côté que bandit ont tiré, et la police lui-même, pour protéger tête li et protéger le commissariat, tiré tout. Gagné 2 morts hier soir. Que nous recensons tout au niveau stade Silvio 14. Dans quoi des bouquets, barricade enflammée, tir nourri à 9h26 du matin. Dans quoi des bouquets, dans localité qui est dans raquette, yon bandit entré dans l'hôpital qui est en construction, les désarmé agents de sécurité, il tué 3 personnes. Il y a une enquête qui ouvre sur ça et nous avons garanti que la police a joint bandit ça, il a arrêté le conduit devant la justice. Aux environs de midi 30, il y a un policier, Gervais Jean Gardens, agent 2, qui est blessé par balle par des individus en cavale. Dans mon rue, il y a 2 policiers qui sont blessés par jet de pierre. Et en total, n'a dit, à part que bilan que nous baillons pour
journée manifestation, mais parallèlement, gagné 6 morts que nous recensés, 3 policiers blessés par balle. Pour la prison civile, on savait. Des grandes situations de panique, de tension, une tentative d'évasion qui était gagnée dans la prison. Heureusement, agents et policiers ont justement pris en charge et empêché l'évasion faite, mais malheureusement, ils ont provoqué la mort d'un détenu, 3 policiers blessés et 3 prisonniers blessés. Même population hein, qui c'est pays à nous c'est force pays à m'a demandé l'état m'a demandé l'état lui-même il va la supposer quitter pays à dans crise ça qui est là parce que journée aujourd'hui à là nous ouais l'état bail opposition pays à je dis à nous qu'à comprendre côté que pays à une crise politique côté que pays à malade côté que négio empêcher un président
fait mandat pendant 5 ans et c'est peuple qui t'a voté et c'est peuple qui t'a bal mandat. Je dis à nèg opposition yo rivé nos milieux yo pas voulu monsieur faire 5 ans. Je dis à l'en ba yon transition dans pays a, il pas bon pour pays a. Il pas bon tout pour nous même qui vivre dans pays a. Je dis à moi même m'a demandé opposition yo pour yo prendre responsabilité yo. Je dis à pouvoir il pas là pour 20 ans, il pas là pour 30 ans. Il là pour 5 ans. Si nous même opposition nous voulons aller à l'élection, c'est une élection pour nous aller pour nous gagner pouvoir. Nous pas d'eau à demander au monde peuple te bali pouvoir pour 5 ans. Je dis à nous demander faut lui démissionner pour quitter le pays. Je dis à l'aile quitter le pays et nous même population n'a plus de crasse, plus de misère, plus de tribulation. Parce que je dis à un pays pas arrêter comme ça. Une population pas qu'à vivre comme ça, si monde pas qu'à l'école, monde pas qu'à l'activité. Je dis à monde a plein, monde a passé misère. Moi m'a demandé un seul message m'a voyé là je dis à pour me dire Jovenel Moïse, mettre pantalon dans cette sou. C'est le peuple qui est bon pouvoir. C'est nous qui est bon pouvoir. Parce que personne qui a fait démissionner qui est pouvoir. Il faut qu'on fasse 5 ans avec la population, avec le peuple qui est voté là, qui faut faire 5 ans, mandat 5 ans. Merci à vous. Je me lever ici depuis 1968. C'est le premier jour, premier l'année ça mourait, le gouvernement qui monte dans le pays d'Haïti, crasé le pays d'Haïti, je le crasé là. Jovenel. Son président, ok, c'est. Il était élu, pas même bien élu même. C'est un petit groupe qui a voté. Un petit groupe matin, il était calé et a voté Jovenel. Téléguiné, c'est télé, nous lions, il faut tout ça qui passe dans le pays en faveur de nous-mêmes. Parce que Téléguiné, nous levons tout le monde, nous jeunes Téléguiné avec nous, nous pas contre Téléguiné. Mais Jovenel sont cancellés pour le pays d'Haïti. L'argent est au Caraïbes, le peuple a manifesté, il a demandé l'argent. Nous demandons Jovenel, pas prêter. Tout le monde sait qu'il parle en faveur là, c'est mon libre qui peut parler pour lui. Et le peuple n'a pas besoin encore, le peuple n'a pas besoin de faire Jovenel aller pour délibérer le pays. Nous félicitons la population pour le jour 18 novembre. Nous comprenons ce mot ça veut dire, qui ça 18 novembre représente pour nous. Qui sont jours, côté nous, et tout en 1607, nous avons été sacrifiés. Nous avons été devouement, nous avons été bravoués dans la bataille pour la liberté de là. Mais liberté ça été bon nous c'est côté nous t'abgoumé ensemble avec l'armée française. Moi suis bien content aujourd'hui là moi haïtien prend comme un jour vraiment de réflexion côté nous c'est pas un jour c'est pas un jour fête c'est un jour pour nous commémorer c'est pour nous réfléchir de qui genre de bataille pour nous tirer pays dans ça. Même bien content haïtien pas prendre provocation politique jour ça vrai pour te prendre pour te faire servir comme un jour de choucaille pour aller déchouquer craser briser. Mais le pays a plus de pauvreté, mais le pays a plus de misère, plus de problèmes que les gens. Nous disons, nous avons toujours pris la rue à manifester. Parce que depuis que nous avons fait mal, il faut manifester. La Constitution est bâillée. La loi reconnaît ça. Mais c'est manifester, nous avons bon gens, manifester pour un pays sorti dans la misère. C'est manifester contre la pauvreté, manifester pour bon l'éducation, manifester pour une santé. Pour nous gon l'hôpital général parce que sans frontière aller quitter nous là qu'on y a la signe tout le monde a manifesté dans la rue là si on prend balle de par contre côté ou aller voilà que gagne qui prêcher vous dans la rien qui donne nous connaissez des micro radio chita bien petit peuple aller ou vous à la nas pial picher pour tuer nous même nous dit nous aimer jouer OK peuple a été choisi manifester mais nous aimer ça peuple a fait en tout il respecter jouer et bien n'a dit tout le monde président Jovenel pas prendre provocation c'est pas ça qui fait le bal au cap là nous pour un pays de la paix. Nous ne parlons pas pour un pays de guerre. Nous pensons qu'on y a la 18 novembre, c'est un jour pour nous réfléchir. Parce que nous avons trop de sang qui est coulé pour nous, qui nous parlons pour nous, pour une bataille de guerre qu'on y a là, contre la misère, ça que le président Jovenel parle au cap. Le président Jovenel ne parle pas d'intimidation. Pas qu'il y ait deux présidents dans le pays. Le président et le président Jovenel élu pour 5 ans par le peuple. Administration Moïseen, une fois encore, a salué mémoire et aux indépendance. Qui était goumé dans Vertière, qui fait Vertière était un lieu mémorable et c'est un plus gros symbole pays en gagné. Et où ça yo té goumé, yo té sacrifié vie yo pour que yo té ban nou yon nation, yon pays en héritage. Dans message président, li rappelé bataille qui té faite pour té ban nou bout té ça. Bataille là té consisté nan casser chaîne esclavage, goumen contre colonialisme. 215 ans après, bataille ça li fini. Très certainement, combat a de continuer, mais
sous une autre forme, avec de nouveaux objectifs. Parmi les objectifs, nous devons continuer à gommer contre le sous-développement. C'est essentiel, message président. Continuer à gommer contre la misère. Et ça tombe d'aplomb, ça tombe à propos. Nous devons continuer à gommer contre blackout, d'où présence Dr. Calix ici, pour partager avec nous dernière évolution en matière de politique publique qui va l'appliquer concernant l'énergie dans le pays. Le président a lancé appel à tout le monde pour collaborer et coopérer pour que nous ayons ensemble qui fait pour nous capables de gagner un autre pays. Et un pays côté n'a fier de lui. Et un pays côté toute petite li femme, garçon, quel que soit camp politique là, au-delà de tout clivage politique, nous devons mettre ensemble pour que nous fassions pays ça et héros indépendants soient fiers que nous avons légué nos nations ça. Pendant la journée hier là, pour marquer date là, le président a choisi de faire une offrande florale dans Mupana. Bon côté, il a gagné un chef gouvernement avec membre gouvernement de cabinet ministériel là qui accompagne dans le cadre offrande florale ça pour honorer héros indépendants, surtout les héros de Vertière. Parallèlement dans le pays, il y a plusieurs activités politiques qui sont organisées. Je vais parler de manifestations qui étaient faites. Suivant l'information qui est disponible, il y a des victimes qui ont enregistré plusieurs côtés dans la capitale. Je vais quitter le soin alors, à travers la République de préférence. Donc, dans la capitale là, et l'autre côté dans le pays. Je vais quitter le soin à la police pour bailler précision en termes de bilan sous victimes. Donc, moun ki ta mouri et moun ki blessé. Manifestation a te gen plusieurs qualités objectifs. Youn la dan yo, te gen moun ki t'ap mandé pour gen reddition de compte ki fait. Même gens ça te fait déjà, gouvernement continue prend en considération revendication qui concernait type de politique publique qui t'ap appliqué dans pays a pour nous continuer bay réponse en termes de reddition de compte. Et gouvernement que même la donne a déjà posé plusieurs actions qui allaient dans ce sens là. Te gen de l'autre qualité revendication dans la rue. Des revendications politiques, bataille politique a fait sous plusieurs formes, c'est droit moun qui a goumen sur plan politique pour chercher conquérir espace, c'est droit tout autorité qui gen responsabilité dans l'état pour yo bail réponse en termes de disposition qui pour prendre pour que nous contrôlions, nous continuions à contrôler le territoire. Nous condamnons, je parle dans le gouvernement, toute qualité de violence qui fait dans l'activité politique qui a gagné dans la journée 18 novembre. Là. Quitte ces attaques qui fait contre la vie, quitte ces attaques qui fait contre bien les gens qui partent dans la manifestation. Journée lundi a levé avec une certaine paralysie pour plusieurs côtés dans le pays. Nous même qu'a font communication sur du concret, nous reconnaître gain une certaine paralysie dans plusieurs pans d'activité. La police instruit dans ça qui concerne les compétences PAL pour que ils prennent toutes dispositions pour faciliter la circulation retourner dans le pays, dans déblayer la rue, débloquer zone qui est embouteillée. La police instruit tout pour traquer tout le monde qui a décidé de faire attaque sur paisible citoyen qui a circulé sur voie publique là ou bien qui l'a caillé, mon n'a pas attaqué, tant que ça a fait plusieurs côtés. Activité politique, c'est un droit que tout le monde gagne. Nous souhaitons que y ait une réponse politique qui baille à revendication politique pour permettre pays à continuer à marcher et permettre pays à continuer à fonctionner. Pendant la journée hier, il y a des gens qui n'ont pas de bonne intention qui vandalisent une équipe œuvre d'art qui se travaille. Artistes résistants ont été dans la zone Mupana avec la zone Kios Oxygenti. Le ministère culture et communication dénonce ces actes. Et nous prenons toutes mesures pour nous récupérer tableau artistes qui n'ont pas grand valeur.
puisque yon œuvre d'art dans tout pays du monde li pa gen valeur. Et dans même sens dans tout pays du monde. L'hôpital, Croix Rouge, la presse, musée méritent protection de la part de monde qui dans bataille politique, même pour monde qui a goumé examen la guerre. Institution me dit là yo, yo mérité protection. C'est peut-être ça, une fois encore, nous dénoncer ça qui passe là et ministère là prend toute disposition pour être capable récupérer œuvre d'art artiste yo. Pour réseau régional métropolitain non, opérateur privé après faire production ou bien distribution commercialisation. C'est important puisque en fait avant tout le monde connaît et des opérateurs publics et qui t'ai gagné rôle la loi te bali pour te vendre courant en dans pays hein. Kounya décret a permettre quel que soit entrepreneur qui intéressé à ça faire courant ou ka travail avec annoncé pour produire courant pour transporter les pour vendre. Et groupe 2 a lui-même groupe 2 a qui c'est l'autre groupe nous t'a parlé l'autre 8 régions nous t'a parlé eux même opérateur qui pral gagner pour l'opérer réseau régional ça yo yo pral gagner pour yo même fait un contrat avec l'État qui doit avoir plusieurs formes et yo pral gagner pour yo produit courant dans zone ça on t'a parlé à passer sous réseau EDH là à travers un contrat avec EDH et arriver vendre courant. Autrement dit il y a pral producteur et aussi yo pral monde qui a distribué et qui a vendre courant. Et pour nous dire pour première étape ça l'important pour tout le monde comprendre qui est gouvernement déjà lancé déjà appel d'offres pour réseaux régionaux. Et dans l'appel d'offres, ça, nous avons lancé. Il y a plusieurs compagnies déjà qui préqualifiées pour capable venir aider nous faire investissement dans le secteur énergie. Donc là, la plus grosse nouvelle, c'est, et tout que nous sommes capables d'annoncer, c'est que dans l'appel d'offres, il y a la construction d'un gros tonton central thermique qui sont centrales de 300 MW qui pourraient fonctionner avec gaz naturel et tout le monde connaît c'est dans zone La Fito dans zone Saint-Christophe bien commune Cabaret que gros tonton central ça va le mettre li et central ça nous déjà fait appel d'offres déjà et pour production et nous gain plusieurs et compagnies qui préqualifiées pour ça fait bon gaz naturel pourquoi donc là c'est pas technique on va avancer sur lui rapidement zone métropolitaine et cette réseau qui ça a fait kounya n'a réhabilité ligne Beliglan tout ligne Belig Delma n'a pas construit n'a pas construit de nouvelles lignes de transport 115 et 69 kV n'a pas construit de nouvelles sous-stations plan gain pour réhabiliter en pile sous-station et poste de transformation plan gain pour créer un nouveau dispatching c'est lui même qui assure le contrôle ça fait énergie en fait là me dit contrôle là si besoin rassurez que me communiquer avec plusieurs points cap distribuer courant à travers dispatching fait pour capable comme sorte de contrôle de l'énergie électrique dans le pays et ma préhabilité ligne moyenne tension basse tension qui modèle d'affaires l'état va mettre en place l'état met des sociétés anonymes comme partenariat concession sur 15 à 20 ans comme politique et contrat de gestion et réseau régional j'aime t'expliquer tout à l'heure quand on appelle d'offre qui fait sur 84 communes appel après qualification nous avons 36 candidats et il y a 26 firmes qui présélectionnées par l'ANAC pour deuxième et tour là et ou il y a 21 firmes et pour 8 régions sauf région métropolitaine et pour réseau métropolitain ou il y a 10 firmes uniquement pour composantes production pour tout le monde qui comprendre ça parce que nous avons plusieurs composantes dans le réseau ou il y a 10 firmes qui préqualifiées pour production qui prennent en compétition sous central nous avons parlé tout à l'heure ou il y a 7 firmes qui intéressé à tout de composantes qui intéressé non seulement produit qui intéressé vendre courant tout et ou il y a deux films seulement qui intéressé seulement à composantes distribution et production. Maintenant, maman question hein, tout le monde toujours poser et avec raison qui côté nous pourrions jouer une cop pour nous préparer réseau a, pour nous capable mettre centrale 300 MW que n'a parlé à là. Moi elle était annoncé déjà sur journal, m'a prendre ni pour monde té gain discussion qu'a fait gouvernement Moïse en ta fait avec gouvernement Taïwan sous comment nous capable financer réseau métropolitain. Eh ben bonne nouvelle que m'a annoncé c'est que
discussion ça yo fini et que ces processus administratifs qu'a fait en dans l'état pour permettre que COP ça vienne disponible, c'est un montant que me confirmé de 150 millions de dollars qui sera disponible pour capable mettre en place toute infrastructure nécessaire pour nous faire centrale, pour nous mettre faire centrale 300 mégawatts là et pour nous créer 51 micro-réseaux en dans pays, là même dit micro-réseau pour nous créer infrastructure de distribution et infrastructure de distribution que ce soit moyenne tension, que ce soit basse tension. Donc parce que me connais c'est un problème que tout le monde a parlé et de lui. Donc tout étudio fini, tout étudio fini, étude pour nous mettre ligne yo fini, étude pour nous rénover sous-station yo fini. Donc kounya nous va passer à phase qui est important en pile là, qui c'est phase de mise en œuvre là. Et là l'État haïtien effectivement est en train de suivre, de remplir toutes conditions que la loi mandé pour ça, comment ça a supposé fait. Et ça information technique importante, c'est que 150 millions de dollars ça pral gagner pour préparer réseau, réparer réseau métropolitain, parce que automatiquement vous augmentez demande là, faut refaire ligne parce que faut porter énergie à la caille mounio, faut refaire ligne, faut refaire plusieurs et points d'échange en dedans et plein. Et puis axe 2 a, nous allons rapidement sur lui, c'est axe micro réseau a touché 64 communes. Donc tout le monde, moi c'est quoi qui est très important parce que m'a suivre réseau de près pour tout le monde comprendre le message aujourd'hui. C'est que toute commune dans le pays a bien réseau là-dedans. Tu as même parlé de 84 communes qui ont bien gros réseau, résumé les réseaux régionaux. Qu'on a parlé de 64 communes qui ont bien petit réseau là-dedans. Le 64, tout le monde a 62 communes, 62 communes, 62 communes plus 84 communes, tout le monde a 146 communes. Toute commune dans le pays a bien réseau. Il y a bien gros réseau, il y a bien petit réseau. Et c'est petit réseau ça que nous des mini réseaux. Et nous avons 8 villes dans le pays, mini réseau, c'est pas qui nouveau dans le pays. Ça fait que l'aime de monde a dit que c'est impossible pour mettre des mini réseaux dans le pays. Mon petit j'en souris, puisque le pays a des mini réseaux qui marchent déjà, côté monde qui courant. Ou bien 8 mini réseaux qui marchent, qui dans 8 centres villes, ou bien un mini réseau qui marche, ou bien les Iwa, ou bien les Anglais, ou bien Koto, ou bien Washabato, ou bien Port Rapidement, ou bien Mol Saint-Nicolas, ou bien Bombardier Police, et ou bien Jean Rabel. Faut tout le monde bien comprendre, je parle de 8 mini réseaux. Je parle dit que il y a 8 communes dans le pays qui ont courant. Je dis qu'il y a 8 communes côté qui ont micro réseau. Donc il y a l'autre commune différente, il y a un gros réseau. Donc comme c'est mini réseau, je parle uniquement de 8 là. Ou bien 3 mini réseaux qui ont construit dans la voie là. On a Saint-Louis du Nord, après que réseau a déjà une production disponible sur Saint-Louis du Nord. Il y a pris le problème compteur pour alimenter mon lieu rapidement. Parce que ce n'est pas un bail courant, mais c'est mettre disponible pour mon cap payer pour lui. Ou bien un petit bureau qui est en construction et ou bien dondon. Et ça veut dire l'État a 51 micro-réseaux pour le construire et à travers les 10 départements du pays. Donc, je vais passer rapidement. Ça, c'était graphe technique qui montre côté réseau Sabralier. Tout est en fait qui montre combien qui longueur ligne a bien, que soit ligne, que soit qui longueur ligne réseau Sabralier. Donc, ça, c'est l'étude préliminaire. Nous allons passer rapidement et sous vous. Ensuite, ça qui est intéressant, c'est tout le monde, c'est qui montant. Comment on a mis le mini-réseau en place? Mini-réseau, c'est simple. Nous avons fait présentation déjà à Montana et nous remercions la presse qui vient couvrir l'événement. Nous avons fait que le réseau, ça va le mettre en place à travers des contrats. Ça, c'est le langage français, des concessions de services publics. Concessions, ça va le faire entre développeurs, qui ont comme là, et ministères là. Et ensuite, comme nous connaissons, on va le mettre en mini-réseau, sinon, c'est en dedans. On localise en municipal de Metel, nous te prenons à cœur que Meria intégré structure de gouvernance. Et ça fait nous fait deux bagailles, nous fait deux outils légaux. Le premier outil qui sont contrats entre régulateurs, entre développeurs, qui gagne Cobla et TPTC qui représente l'État en dans contrat. Et deuxièmement, c'était un memorandum of understanding, un contrat, un protocole d'accord qui impliquait trois moun là-dedans, qui c'est développeur, qui c'est municipalité et qui c'est ministère là. Et comment ça va le faire pour tout le monde comprendre? L'État a vini, l'État a conçu réseau. Je vais t'expliquer tout à l'heure déjà un montant qui est disponible en dans Fontaine pour nous faire ça. L'État va le vini, mettre réseau en place, conçu réseau et privé va le venir avec Kobli lui-même pour le produit courant et puis pour le vendre courant. Et nous dit tout réseau ça va faire, tout mini réseau ça va faire à partir de énergie qui propre
solaire, photovoltaïque, hydro, biomasse et éolien. Et commercialisation a fait à partir des compteurs qui sont extrêmement performants, que nous avons les compteurs intelligents qui permettent ou même ou capable de payer avant ou bien ou capable de payer avant pour courant.